de sillonner, de sculpter, de regarder de près cet édifice qui fascine tant par sa beauté que par sa hauteur. Ils sont donc en train de monter les niveaux de cette tour jumelle par cet escalator flambant neuf de ce haut lieu, de cet édifice emblématique qui entre désormais dans les annales de notre histoire. Oui, Aline France Tokabeka, la visite guidée des deux tours jumelles se poursuit par le président de la République, se nous poser toute la suite. En tout cas, on a vu la délégation présidentielle dans l'un des escalators des deux tours jumelles. Puisque nous parlons à l'île France de Rabeka des tours, puisqu'il s'agit des tours, c'est peut-être l'occasion pour nous de donner quelques informations à nos téléspectateurs en signalant que la tour la plus haute dans le monde, c'est le Burj Khalifa. C'est le Burj Khalifa qui est situé à Dubaï, aux Émirats Arabes.